Ok maman, je suis très fatiguée. Bon, moi je vais aller me préparer. Ah, oh là là, j'en peux plus. Je vais me brosser les cheveux, voilà, et c'est bon. Maintenant, je vais aller m'habiller. Bon, moi je vais aller préparer le déjeuner. Donc c'est parti. Alors on va lui faire quoi? On va lui préparer quoi? Bon, alors on va lui préparer d'un truc de bien pour pas qu'il a faim. Avec le stress, moi quand j'étais jeune, je stressais beaucoup pour l'école. Bon, alors on va lui prendre une petite gaufre et un peu de lait. C'est bon, on va lui préparer ça sur la table et on y va. Allez, on y va, on lui met tout ça sur la table pour qu'il puisse bien manger. Allez, Kevin! Oui, oui, j'arrive, j'arrive, j'étais en train de me préparer. Oh. Dis donc, aujourd'hui t'as l'air hyper content de la rentrée, hein? Oui, j'ai hâte de revoir mes copains. Oh là là, ça fait tellement longtemps. C'est sûr, t'as pas hâte pour aller travailler, toi. Dis donc, allez, on mange et on va à la voiture pour que je puisse te ramener à l'école. Allez, on y va. Il faut pas qu'on soit en retard pour le premier jour d'école. Allez, monte, monte dans la voiture. Allez, je vais maintenant te ramener à l'école. Vas-y. Et surtout, pas de bêtises à l'école, tu travailles bien. D'accord, hein, parce que si t'as un mauvais bulletin cette année, tu verras, hein. Plus d'ordi, plus de téléphone, confisqué, punition, hein. Oui, oui, maman, c'est bon. Oui, oui, mais on fait jamais, hein. Allez, tiens. Vas-y, allez, maintenant, sors de la voiture. Allez, c'est bon, je sors de la voiture. Allez, j'y vais. Allez, tiens, maman, bisous. Allez, c'est parti, je vais aller voir mes potes, je suis trop content. Ah, j'espère qu'il va bien travailler, hein, parce que je vais pas quand même acheter des cahiers à 30 balles pour qu'il y ait des zéros, hein. Allez, moi je vais aller travailler au poste. Lui il reprend les cours, moi je reprends le travail. Youhou, c'est si. Bonjour. Alors, aujourd'hui je serai votre nouvelle professeure de français pour toute l'année. Je m'appelle Madame Wilson. Toi, je mets un petit appel comment? Moi, je m'appelle Kevin. Très beau prénom, dis donc, Kevin. Alors, écoutez, alors aujourd'hui cette année, on va essayer d'être le plus organisé possible et de bien travailler, d'accord, Kevin? Oui, oui. On va essayer de bien s'organiser, comme ça on a les plus bonnes notes du monde. Bon alors, je vais vous donner une feuille et vous allez écrire tout ce que vous avez fait pendant les vacances. Est-ce que c'est compris? Ok, d'accord. Pas de problème. Alors, vous allez écrire et après vous allez me le donner à l'oral. Vous allez parler à l'oral. Bon, je voulais faire votre travail maintenant. Et surtout, ne discutez pas, hein, d'accord? Moi, je vais aller à mon bureau, je vous laisse travailler tranquillement. Ok, ok, c'est bon, on va travailler. Kevin, t'as fait quoi pendant tes vacances alors? Quoi? T'as fait ça pendant tes vacances? C'est pas possible, attends. Bon, d'accord, tu vas me donner ta feuille et on va commencer à faire des mathématiques, d'accord? C'est bon. Mais c'est quoi cet enfant? C'est pas des vacances ça? Mais c'est pas possible! Bon, alors je vais prendre les feuilles dans mon bureau et je vais les corriger, donc Vous aurez un petit travail ce temps-là, d'accord? C'est bon, vous pouvez sortir, il est l'heure de la récréation. Est-ce que je dois en parler à sa mère ou pas? Faut que je change de visage là quand même. Attends, j'arrive. Je vais mettre lui. Ouais, lui, il est bien. Il est bien. Je aussi. C'est bon, j'arrive. Attention, j'arrive, ok? Prépare-toi.